Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Linda Manpainting et Point Croix. Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, c'est un nouveau déballage pour le partenariat avec Newcraft Day. Ils sont tellement rapides, j'ai envoyé ma sélection le 17 avril, puis aujourd'hui, on est le 26 avril, ça a pris 9 jours, quand même. Alors, très, très rapide. Alors, je vous rappelle que j'ai un code rabais de 10% en utilisant LIN10. Et là, sans plus attendre, bien, je vais déballer le tout, puis je vous reviens. Alors, cette fois-ci, je me suis laissé tenter. J'ai commandé seulement un kit, mais c'est tout un kit. Alors là, ce que vous voyez ici, c'est ce sont les fils. Enfin, je vais y revenir plus tard, mais vous voyez que j'ai pas une petite pile de fils. Alors, je sais que vous l'avez vu déballer par d'autres, mais j'ai essayé de résister. J'ai essayé, mais là, j'en ai vu qui ont commencé, qui sont faites un stitch along pour commencer cette pièce-là. Puis là, ben, oh, que voulez-vous? J'ai pas de volonté. Ça fait que je suis comme trop influençable. Alors, je suis une influenceuse influençable. Alors, j'ai commandé le même kit. C'est le kit des personnages de Disney en 16 cantes, un 100 par 70. Fait que je vais essayer de trouver l'image. Je pense qu'on a-tu une image là-dessus? Ouais, tout de suite. Alors, attendez, je vais aller vous montrer l'image pour celles qui ne l'ont pas vue. Alors, attendez. Voyons. Ici, un peu plus. Alors, c'est celle-ci. Alors, je l'ai pris en 16-40, un 100 par 70, mais je n'ai pas pu résister. Que voulez-vous? Je disais, d'habitude, je ne suis pas très, très Disney, mais là, c'était trop joli comme pièce. Puis, alors, tous les personnages, ça va être différent à broder, tout ça. Puis, quand j'ai vu les déballages, étant faible. Alors, on arrive avec... On commence avec deux kits, avec des poissons. Alors, deux petits kits d'outils. Alors, avec cinq aiguilles. Fait qu'ils nous en fournissent deux, c'est bien. On a les instructions. On va commencer par la toile. Alors... Oh! Pas la toile, le patron. Excusez. Alors, je vois qu'on a des beaux blocs de couleurs. Puis, on a combien de couleurs en parlant? En parlant de couleurs, on a 40. Oh mon Dieu, le patron est grand! Juste le patron, puis... Alors, je vous montre la grandeur du patron. Alors, combien de points? 592 par 403. Alors, on a un très grand patron. Mais ça va être très, très clair. Je regarde, là, ici, là, vous voyez. C'est pas très confetti. En fait, c'est beaucoup plus bleu que je pensais. Peut-être dans les visages, mais sinon, là, ça va être pas mal bleu. Ça va être une pièce qui va être très relaxante à broder. Alors, malheureusement, je ne peux pas la commencer cette semaine. Je suis comme un petit peu occupée entre mon stitch along et enfin d'autres pièces. Alors, on va aller voir le canevas. Voir s'il est bien imprimé. Alors, ça, je vous montre. J'ouvre le canevas. Il n'est pas super souple, mais il n'est pas rigide non plus.
Oh. Alors, je vous montre à la grandeur. OK. Puis, je vous rapproche un petit peu, voir. Ça a l'air d'être super bien imprimé. Well. J'ai commencé à 16,40 il y a 2 semaines. Là. J'ai commencé 5 heures. Là. Il me reste 5 autres heures à faire dessus. Fait que vous allez avoir. Ça va bien. Ça va mieux qu'avec le 18,40. Puis, vous allez voir mon compte rendu à la fin du mois d'avril. Qui s'en vient très rapidement, n'est-ce pas? Alors, je vais fermer mon. Mais c'est vraiment. Oh. Bon, alors la pièce est surjetée comme d'habitude. C'est comme je dis, j'ai l'impression que c'est la compagnie sans nom, mais pourquoi est-ce qu'ils n'impriment plus leur image sur le côté? Ça, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que ceux-là, ils n'impriment pas sur le côté? Aucune idée. Aucune idée, mais c'est super. Je regarde. Oh! On aurait envie de tout lâcher, puis s'installer, puis broder ça tout de suite. Et là, je regarde. Alors, je vais enlever ça ici. Puis, je vais essayer. Attendez, je vais... J'ai ça ici. Le rouge. Attends. Du brun. Du mauve. C'est-tu le même rouge? Non. Petit gris-là. Ça, c'est du orange. Orange plus foncé. Ça, c'est pas la même chose, non. Ça, ici. Oups! Des tout petites tresses. Un genre de rose. Ici, on a le bleu. Ici, on a du rose plus pâle. Oh! Un autre bleu, c'est-tu le même? Oui, j'ai l'impression que c'est le même. 334. Ah, 334. OK, alors ici, on a un gris. Ici, on a des bleus clairs. Excusez mon bras. Et ça, c'est pas la même chose. Oh, Seigneur! Et j'essaye de faire ça vite, là. Dites, poudon, j'ai pas toute l'après-midi à attendre. Hein? Vous pouvez regarder les belles couleurs en même temps. Du vert avec des petits écheveaux. Pourquoi? Je sais pas. Ça ici. Oh! Ça ici, un bleu plus foncé ici. Oh, que c'est, je vais mettre ça là, là. Je pense que j'ai plus de place. Fait que là, je vous montre toutes les échevaux ici. Alors, des échevaux, on en a 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20. Ici, les petites, on va compter ça comme 1, 21, 22, 23, 24, 6, 27, 28. Ça, je vais compter ça comme 1, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47. Quand même! Puis, on a ça ici.
Où est-ce que... Donc, j'ai tellement pas de... J'ai pas beaucoup de fils. Alors, jusqu'à 40. Puis là, bon, on a les quelques couleurs qui sont pas... Oh, ce hibou, ce bleu-là. Les couleurs sont vraiment belles. Oh! Mais disons, ça fait pitié quand on a juste un fil, là, mais... Ça, là, quand je vais le commencer, là, j'utiliserai pas l'organisateur en carton parce que c'est sûr qu'il t'offrait pas la run, comme on dit en bon québécois. Parce que à ce moment-là, j'utiliserai des utilisateurs en plastique parce que ça, c'est sûr, ça. Parce qu'on peut te dire que ça, là, ça se brodera pas en une couple de mois, là. Ça fait que. À moins que tout le mois, les 2 mois, que vous travaillez 12 heures par jour sur votre toile, 7 jours par semaine, puis encore, je suis pas sûre si dans les 2 mois, vous seriez capable de le finir. Alors, je remercie beaucoup New Crafty pour cette pièce. Les couleurs sont magnifiques. J'ai tellement hâte de commencer à la broder. Alors, nombre de fois je dis j'ai hâte de le commencer, je le commencerai tout de suite. C'est comme avec ces. Alors, je les remercie infiniment de leur confiance. Je vous remercie beaucoup, les abonnés, de me suivre toujours. Comme je dis, je suis rendue au-dessus de 1600 abonnés. J'ai dépassé le 1600 la semaine dernière. Fait que je vous remercie infiniment de votre confiance puis votre support. Puis même quand ça file moins, j'ai beaucoup de messages qu'on s'inquiète de ma santé. Puis ça me touche énormément. Alors, fait que je vous remercie infiniment. Puis si vous avez des commentaires, suggestions, je vous invite à les faire. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à la prochaine. Bye.